Bonjour à tous et bonjour à vous également, amoureux de moto gros cylindre. De retour de la belle cité de Boisflay, du staff de Black African Riders et de ses freestylers, nous sommes accueillis par Roof Bike Live qui malheureusement n'a pas pu effectuer le déplacement à cause de ses blessures et il était très impatient de prendre de nos nouvelles. Le jour suivant a été un jour off, d'où nous avons profité du repos de nos freestylers pour prendre leurs différentes impressions sur leur séjour en Côte d'Ivoire et au siège de Black African Riders. Ça va bien. Je voulais assister, mais bon, c'est comme ça. J'ai un peu mal, hein. C'est pour ça que je n'ai pas assisté. Mais t'inquiète pas. Et mon cher de ma fille, il peut la sortir? Yo man, comment va? Tu vas acheter la sortie de l'eau, au calme. Tu veux ça? Yeah. Ah! Ouais. On y va, bro. Allez, tranquille. Ça va aller? Waouh, là, t'es en plein sport. J'essaie de détendre le muscle. Ah, c'est important. Très important. Il n'y a pas de souci. Après un bon sport, on dit quoi? Comment tu te sens là? Oh, jusqu'à là. Toujours bien. Toujours bien? Toujours. Ok, super. On fait une petite marche. Toujours. Ouais. On est quoi? Ça fait déjà 72 heures que nous passions ensemble. À Yako, effectivement. Et depuis ton arrivée, comment tu te sens dans l'ensemble? Bon, depuis mon arrivée en Côte d'Ivoire, la première des choses qui m'a émerveillé, c'est de vous voir tous. Ok. Voir ces frères Mota, ça signifie beaucoup de choses. Bah. Oui. Et vraiment mon séjour en Côte d'Ivoire. Waouh, c'est super. J'ai vraiment adoré. Ah. Et le fait que mon coéquipier, notre coéquipier, un frère à nous, soit tombé, se relève aussitôt et dit. Il reprend encore la moto. C'est pas grave, il reprend encore la moto et il corrige les erreurs avec une autre moto. Ouais. Qui n'avait pas de panne mécanique, c'était vraiment bien parce qu'on a vraiment émerveillé le joueur. Ça c'est déjà encouragé. En tout cas, ça fait déjà un motard très très soldat. Quand l'adrénaline est là, il y a des choses qui ne peuvent pas s'arrêter. Alors c'est déjà bon, ça ce sont déjà des paroles sages d'un motard, un motard professionnel. Ouais. Au vu de tout cela, vu que l'objectif est de participer au concours des Dangoro du IBF 2023. Qu'est-ce que tu feras après ton départ en Abidjan? Bien, après mon départ, arrivé au pays, je ferai de mon possible pour montrer le meilleur de moi. Tu vois? Ok. Donc déjà, c'est plus que tu confirmes ton arrivée ici. Allez, donc je vais te dire merci. Merci d'avoir permis que... À moi, voilà, je te demande merci. Ce petit temps d'échange, ok? Allez, on se prend pour la suite. À pas de souci. On reste branché. Big up, c'est sûr. Je
Hello bro. Comment va? Mister Benjamin. Oui. Le dompteur de la RCF depuis le Sénégal. Ouais. On est quoi? Comment tu vas mon frère? Bien. Ah là tu es en plein sport là. Oui. Ah bon? Comme tu le vois. Donc quoi, c'est dit que quoi, le sport il a une importance au niveau de la moto. Si, avec ce qu'on en fait, c'est important de faire du sport. Okay. Parce que la moto c'est un sport très endurant quoi. Ok. Ouais, parce que c'est physique. Ah bon? Ouais. Donc quoi, c'est de là que tu tires ton inspiration ou quoi? Ouais, depuis là. Ok, ça c'est déjà bon. Bon ben, dis-moi un truc. Mm-hmm. Là, ça fait aujourd'hui une troisième journée. Oui. Ok. Parce que depuis avant-hier, depuis l'aéroport, ouais, vous êtes bien arrivé. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça te fait de... En gros, j'aimerais que tu me racontes un peu, hein, depuis l'aéroport, le parcours d'Abidjan à Yamoussoukro, après 230 km, et ton séjour ici. Comment est-ce que tu te sens déjà dans un premier temps? C'est une très grande chose pour nous. Un honneur, voilà un honneur. C'est l'honneur quoi, parce que c'est notre premier voyage dans le monde du moto, dans le backlife. C'est notre premier voyage, okay, moi et mon frère Rouf. Okay. C'est une très grande chose pour nous. Que, voilà, okay, l'accueil, le pays, tout, les motos, on a kiffé quoi. Ok. Ouais. Et dis-moi, bon. La seconde journée, nous avons entamé les séances, les tournages, les photos et tout ça. Mm-hmm. Et tu as donné le meilleur de toi. Là, on t'a vu sur les vidéos en train de manipuler les différentes ouais motos. Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait? Voilà. Ouais, c'est un grand plaisir. Comme je l'ai dit tout de suite, c'est un grand plaisir. Okay. Parce que voilà, vous nous avez ouvert toutes les portes. Parce que voilà quoi, c'est pas si facile de se déplacer de pays en pays pour venir rouler. Mm-hmm. On n'a même pas amené nos motos, mm-hmm, nous avons donné des motos, mettre de l'essence et tout. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Effectivement. C'est déjà un très beau geste à saluer, hein, au Black African Riders. Ouais. Il met vraiment tout en place, mm-hmm, pour satisfaire ses freestylers. On a vu en vidéo tout à l'heure ton frère qui a eu un accrochage, okay, hein, une chute à moto. Et qu'est-ce que tu as ressenti juste après? Ouais, lors du chute, j'ai même pleuré parce que c'est pas si facile de voir ton frère tomber et tout. Mm-hmm. Mais ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie du jeu. Ok. Ouais. Il y avait plus de peur que de mal, quoi. Ouais. Dieu ouais merci, c'est le mot exact. Il y a eu plus de peur que de mal. Ouais. Mais ensuite, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça t'a pas découragé de vouloir abandonner tout d'un coup? Non, je voulais pas abandonner, mais ça m'a un peu ralenti quoi. Ah. Parce que moi aussi, je voulais pas tomber aussi. Effectivement. Ah. Parce que s'il tombe et moi aussi je tombe, uh-huh, ça va gâcher un peu le truc quoi. Ouais, effectivement, c'est pas joli. Uh-huh. Je prenais pas trop de risques sur les figures et les wheelings quoi. Ok. Ouais, parce que. Sinon, tu allais donner le meilleur de toi. Voilà, donc, ça veut dire quoi? Ça t'a déphasé un peu. Un peu, ouais. Ah, ben. On va juste réserver ça lors du. De l'IBF. L'IBF, ouais. Okay. En août, on va donner tout, quoi. Ouais. Top. Donc, déjà, qu'est-ce que tu nous promets alors? Rentrer au pays, nous, on va s'entraîner, on va préparer les motos et Inch'Allah, on va amener nos motos. Ok. On va amener notre propre moto, comme ça, on fera beaucoup mieux, quoi. Vous comptez remporter le grand prix du trophée, du concours du Dangoro? Ouais, c'est le Sénégal qui va remporter ça. Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Et bien, juste après, nous avons, hier déjà, qui était le dimanche, nous avons passé une très belle journée. Ouais, très on vous a amené à découvrir la ville au violet blanc, ouais, une ville qu'on appelle Boisflé. Ah ouais, c'est une très belle chose. Là-bas, je kiffe trop, parce que il y avait trop de monde. Ouais, les gens ont apprécié. Mm-hmm. On a causé. On avait juste un petit calme avec la moto. Ouais, effectivement. La pompe, les injections de la moto. Ouais. Bon ben. À part ça, nickel. Heureusement qu'on a des mécaniciens qualifiés avec nous, donc ils ont rapidement. Et surtout sur la vidéo, ouais, on voit. Big up Big up à notre grand mécano. Ouais. Parce qu'il n'est pas que freestyler, hein, hein, le grand Shadow. Ouais, il a picolé, paf. Kamso. Kamso le motard. Ils ont assuré grave. Il a assuré. Ouais, ils ont assuré. Bon, je vous remercie vous. Ouais. Je vous remercie l'accueil. Tout, je vous remercie. J'ai même pas les mots. À part ça, on vous promet une très 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 belle journée lors de l'IBF, okay. Inch'Allah. Mm-hmm. On fera tout pour participer, on fera tout pour gagner aussi. Inch'Allah. On promet beaucoup de choses à la Black Life, comme aussi du Côte d'Ivoire.
Il n'y a pas de souci. Ok. Allez, bon, ben, ce fut un plaisir d'avoir échangé avec toi. Ok. Allez, donc, on se reprend tout à l'heure. Voilà. Big up, peace. Thank you. Alors, bonsoir, Papou. Bonsoir, Diassa. Oui, comment tu vas? Oui, ça va, pour la grâce de Dieu. Donc, une belle journée, hein? Merci, ça va. Une journée de freestyle avec nos frères venus de l'étranger. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que ça t'a fait de participer à ce grand tournage? Bon, dans un premier temps, je remercie d'abord les organisateurs. En tout cas, je suis très content de m'avoir fait confiance. Justement. Voilà. En tout cas, ça s'est bien passé. On s'est beaucoup amusé, vraiment tranquille quoi. Bon, moi, c'est Papou Gabana de Daloa. Bon. Papou Gabana de Daloa. Freestyleur professionnel. Freestyleur professionnel. On a vu au cours des vidéos, voilà, notre frère Rouft du Sénégal qui a eu une chute. Voilà, ben, grâce à Dieu, il y a eu plus de peur que de mal. Ça voilà, arrive, donc, ça étant arrive. Un professionnel, je te pose la question de savoir. Ça voilà. Arrive, ça donc, arrive. Si oui, tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé, ce que tu as eu à avoir comme choc et tout ça. Comment tu t'en es sorti? Bon, c'est le courage, au fait, c'est le courage. Ben, il faut être beaucoup équipé avec des casques. Sinon, c'est la chute, on ne peut pas l'inviter. En tant que tu fais la moto, bon, c'est le truc n'est pas invité, ça arrive parfois. Seulement, il faut être prudent, c'est tout. Et être protégé avec le casque, les gants, bon. Un peu ça, quoi. Ce que je peux dire à mes fans, ils n'ont qu'à me faire confiance. Mm-hmm. Voilà. C'est Papou Gabana toujours. On ne parle pas trop. Donc, Papou Gabana. Mettons en prière, que Dieu nous donne la force, la santé. Le reste, vous allez suivre le reste. Ça ne serait pas du jouer. Mets-toi en prière. Il y a Dieu dedans. Papou Gabana ne parle pas trop. Le jour J, on verra. On verra. Bon, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir d'être avec mes frères. Maintenant, lors des freestyle, comment se sont comportées les motos, du coup? Est-ce que tu as apprécié les motos que tu as manipulées? Est-ce que tu t'es senti dans le bain de la chose, en fait? Oui, très bien. Je me suis senti bien. Alors... Ma machine m'a manqué. Ta machine t'a manqué. Voilà. Donc quoi, tu aurais fait plus avec ta machine, tu penses? Bon, on attend le jour. Lors du tournage, ton frère Rouf du Sénégal, hein, oui. Dès le début, a eu une chute. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ça? Bon, ça m'a gêné, ben ça fait partie quoi. Ça fait partie. Ça fait partie. Ça mais fait est-ce que partie, ça t'a ben... ça t'a pas découragé vu que à peine commencé, hein, ton frère qui fait la chute. Est-ce que ça t'a pas découragé de vouloir continuer à faire le tournage? Ben... En tout cas, ça m'a touché, mais lorsque je suis parti le voir, que j'ai vu que il était bien portant, donc ça m'a fait tuer. Parce que c'est des trucs, ça arrive, donc du coup, ça m'a touché, mais le fait qu'il allait bien, donc ça m'a fait plaisir, quoi. Je demande à mes fans de venir me soutenir, car il y a des surprises pour eux. Alors, c'est sur ces mots de Papou Gabana que nous allons mettre fin à notre interview. Comment tu vas, mon frère? Ça va bien, et toi? Ouais, Kali, ça va. Oui, ça va bien, alhamdulillah. On dit quoi, bien reposé? Oui, j'ai bien reposé maintenant. Dieu merci. Oui. Ouais. Moi aussi, on va très bien. Oui, ça va très bien. Ok, super. On dit quoi? Oui, maintenant,
c'est bien. Côte d'Ivoire, c'est bon. Ça. Là, je voulais t'arracher quelques petits mots. Surtout que tu es un freestyler et en plus tu as été victime d'un accident lors de ton tournage. Ah oui, voilà. C'est le risque du métier. Ok. Et il n'y a pas de souci. J'ai mis une chute à cause d'une anomalie. Oui, oui, un problème mécanique, la chute, un problème mécanique. Yeah. Ouais. Mais j'ai bien compris que ça arrive parfois. Oui. Mais ça, c'est rien, ça va. Non mais tu es quand même courageux hein, parce que juste après ta chute, comme on le voit déjà en vidéo, mais cela, après un pansement, cela ne t'a pas empêché de vouloir continuer. Ah oui. D'où vient cette inspiration là? La bike, ça fait partie de nous. Ah. C'est pour ça que même quand on tombe, on se lève et aussi on repart, on continue. Okay. Ouais, il fait partie de nous. On ne veut plus le laisser maintenant. Effectivement. Oui. Bon ben, Dieu merci. Là on te retrouve très sain, on te retrouve sain et sauf. Oui. Avec quelques petites égratignures. Oui. Ok. Oui. Allez. Ça va bien, alhamdulillah. Il n'y a pas de problème. Oui. Bon ben, suite à tes blessures, hein, du coup, tu n'as pas effectué le voyage hier avec nous. Oui. Tu es en Boisflay. Est-ce que déjà tu as eu à voir en image? Oui, en tout cas, qu'est-ce que ça t'a fait hein? Oui, j'ai vu les images. Peut-être que tu n'as pas été avec nous. J'ai vu les images, mais je suis trop content. Ah. Parce que je vois mes amis en train de. En tout cas, tu n'as pas eu un gourmet, tu n'as pas eu envie d'être là en train de. Ça parce que là-bas, il y avait plein de choses. Hein. J'ai bien compris que parfois ça arrive. Ouais. Mais ça me fait du bien quand j'ai vu les vidéos. Et j'étais trop content, vraiment. Alors là, c'est une pensée très positive d'encourager ses frères, c'est-à-dire malgré tout, mais bon, tu nous as soutenus, tu as prié pour nous. Voilà, mais une autre question pour toi. Depuis l'aéroport, voilà, nous avons parcouru 230 km jusqu'à Yamoussoukro. Et comment tu as trouvé le parcours et de ton séjour, surtout dans le fief du Black African Riders? Ah oui, depuis à l'aéroport, vous nous avez bien accueillis. On est très très content. Puis j'ai parlé avec mon frère Ndjougo sur ça, mais on trouve ça super bien, magnifique. Ouais. Ok, merci. Mais bon, en tout cas nous sommes très contents. Nous te disons merci hein, d'avoir accepté notre invitation. Et... Alors dis-moi, pour le IBF 2023, tu comptes y participer au concours du Dangoro? Ah oui, vraiment, je compte à participer. Et je vais revenir en force. Waouh! Ça c'est un retour foudrayant. Hey. Alors là, tu regardes rapidement dans ma caméra et tu dis, ok? Oui. Tu racontes-nous un peu ce que tu vas faire une fois rentré, parce que déjà ton séjour finit aujourd'hui. Demain, on sera à l'aéroport pour te raccompagner. Hey. Et qu'est-ce que tu dis à tes frères freestylers du Sénégal? Quel est ton mot, ok, pour les encourager à participer au IBF 2023? Oui, je dis à tous mes frères freestylers du Sénégal, on va participer à une grande compétition IBF qui aura lieu du 8 au 13 août à Côte d'Ivoire. Ouais. Oui, on vous demande de nous soutenir, on va revenir en force, ouais, pour remporter la compétition, Inch'Allah. Oui. Allez, c'est gentil. Donc, c'est sur ces mots qu'on va devoir se laisser. Oui. Ok, allez. Donc, merci bien. Merci. Et puis, prompt établissement. Oui. Allez, rendez-vous très prochainement. Oui. Les gars. Merci. À la prochaine. Yo. My brother. Ouais, salut mon frère. On dit quoi? Ça va bien. Mon frère rabé depuis le Niger. Comment on dit bonjour en Haoussa? Au Niger, comment ça se dit? Bonjour. En Haoussa. Ok. Nyankwana. Nyankwana. Non, je réponds comment? Nyankwana. Oh, mais c'est cool. On dit quoi, mon frère? Ouais, ça va. Ça peut aller? Ouais, ça va. Bien dormi, bien reposé? Bien. Ah, super. Super. Ouais, ça va. Super. Bon, ben, je vais t'arracher quelques petits mots. Mm-hmm. Voilà, ça fait déjà 72 heures que nous passons ensemble. Mmh. Ce que j'aimerais savoir, dis-moi, depuis ton arrivée à l'aéroport Félix Foubani, de là jusqu'à ton parcours à Yamoussoukro, tu peux me raconter un peu déjà comment tu trouves la chose, ce que tu ressens, ce que tu vis. En fait, je trouve la chose là, en tout cas, c'est tranquille, c'est bon. C'est tranquille, c'est bon. Tranquille. Là, ce sont les mots du grand Rabé. Oui. Rabé, le grand vilain.
Ok, déjà là aussi, ok, j'aimerais avoir tes impressions sur le tournage qu'on fait depuis. La moto est ici, la moto ça. Voilà, raconte-nous un peu comment tu as trouvé la moto. Ça me plaît. Tu n'as pas joué des sales tours, hein. Non, ça me plaît. Voilà. Et quelque part, on a vu ton frère Mouta qui s'est écorché, qui a glissé. Est-ce que suite à presse là, ça t'a pas donné envie d'abandonner, d'arrêter? Non, abandonner. Ouais. Même pas. Et pourquoi? Parce que ça me plaît. Ah bon? J'étais joué. Ok. Et Mouta, à chaque fois, ça là, il réserve ça après. Tomber ou bien casser, ça là. Donc quoi, ça veut dire que psychologiquement, vous vous êtes préparé quoi? Ouais. Ah ok. C'est pas maintenant, on a commencé. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir la ville située à 60 km de Boafoué? Pardon, de Yamoussoukro. De Yamoussoukro, là. Oui. Non. Parce que là-bas, on a eu à faire des figures aussi. On t'a vu en train de cabrer la moto jusqu'à traverser le pont de Boafoué. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait, le fait d'avoir oui, de l'eau, plaisir, de l'eau, hein, la voie, là. La voie était bien dégagée. Oui. Bon, ben, qu'est-ce que tu en penses déjà de tout ce qu'on a vécu? Des moments passés avec tes frères du Sénégal et aussi du Bénin, voilà, avec l'équipe même du Black African Riders. Qu'est-ce que tu en penses de tout ce que nous faisons pour les motards, pour les freestylers surtout? En tout cas, ce que vous êtes en train de faire là, en tout cas, c'est intéressant déjà. Et puis, ça m'a plu. Mm-hmm. Voilà. C'est pas le problème. Mais déjà, le concours d'Angora du IBF qui aura lieu le 8, ok? Du 8 au 13 août. 2023. Tu confirmes, tu penses que tu pourras être là? Non. Représenter ton pays? Oui, sûrement. Et déjà, qu'est-ce que tu feras une fois rentré au pays? Quelles sont les précautions que tu prendras pour pouvoir remporter ce grand prix là? Le concours de jeu, hein, oui, d'Angora. D'Angora du IBF. Une surprise. Tu vas avoir? Oui. Ah, on espère bien. Inch'Allah. Allez, okay. Bon ben, dernière question pour toi. Mm-hmm. Ça nous a fait plaisir aussi de passer du bon moment avec toi. Et qu'est-ce que tu peux dire à tes frères, les encourager, à t'accompagner dans cette lancée-là du concours du meilleur freestyler du IBF 2023? Mes frères, c'est allé chez toi là-bas. Dans tous les cas, ils vont voir ça en vidéo. Et puis, en plus, si je parle là-bas, je vais les faire expliquer. Ok. Oui. Je vais les encourager encore pour prochainement, on vient ensemble. Ok, c'est cool. Allez, chez nous les motards, on se dit big up, n'est-ce pas? Big c'est up. Comme ça, non? Okay. Voilà. Okay. Bon, ben, c'est sur ces mots qu'on va se laisser. Mmh. Okay. Allez, on se prend tout à l'heure pour la suite. Ok, merci. Alors, chers abonnés, ceci marque la fin des Dangora du IBF de la deuxième vague. Et n'oubliez surtout pas de nous dire en commentaire ce que vous pensez d'eux. Pour les prochains épisodes, nous aurons affaire à une toute nouvelle vague et ce sera Adams Lamoto du Cameroun, Général Jones du Nigeria, Benkewana et l'incomparable Sako du Mali. Tenez-vous bien car cette fois-ci, ils seront accueillis par trois freestylers ivoiriens et il s'agit d'eux, Ado le Motard, Jackie Willing et Mad le Motard. Restez connectés car pour cette vague, ça promet de belles choses. Ciao.